J'aime beaucoup en date. Alors, il est de coutume d'accueillir les invités en Ukraine avec un gâteau traditionnel qui s'appelle korobay, avec korobay et du sel. D'ailleurs, je vous invite à en goûter. C'était fabriqué ici à Lyon, mais de tradition, ils sont ici. Exactement. Et donc, là, vous êtes... sur le stand d'Ukraine, organisé par l'association Lyon-Ukraine, qui est fédératrice de différentes initiatives ukrainophiles ukrainiennes à Lyon, et de l'association Lyon 33, en hommage de la famine artificielle des années 30. En hommage de ? De la famine artificielle qui a eu lieu dans les années 30, pendant l'URSS. Et ça, vous l'avez fait faire sur Lyon, donc je vois, par quelqu'un qui a... Tout à fait, oui. Et donc là, Bandura... Donc, il y aura des animations à peu près toutes les heures, puis la chorale qui chantera sur la scène. Ça nous fait plaisir d'être là. Et si vous voulez laisser un petit mot pour dire ce que vous pensez de l'Ukraine, ce que l'Ukraine représente. Liberté. Très sucré. One, two.